Alors, tu as le physique de Ralph Lauren, hein. De monsieur Ralph Lauren, parce que les épaules bien comme ça, là. C'est vrai que c'était un peu ce que je recherchais. Et la taille bien serrée. Ils veulent juste une combinaison de plongée. Ouais. Ils arrivent là, ils croient que c'est du néoprène, ouais. Ils font ça. Ils croient que ça doit être comme ça, un costume. Qu'est-ce que tu t'es fait à l'œil? J'ai soulevé une barre hier. Ah, merde. On va bien, mon œil. Bon, retour chez Junior Scavini, petite session essayage cette fois. Donc voilà, j'ai hâte de voir. Je vais voir le costume en entier, presque terminé. Il n'y a pas tout qui est finalisé. Mais là, après avoir choisi tissu, personnalisation et avoir fait les mesures, je vais pouvoir donc voir comment est arrivé le costume. On va faire tous les ajustements. Mais voilà, je vais avoir une grande idée de à quoi ressemble le costume. Donc tu peux mettre pantalon, chemise dans le pantalon et ouais, souliers. Ça marche. Je t'en prie. Donc la longueur du pantalon n'est pas faite. Je vais la faire sur tes chaussures. Tu vas pouvoir choisir un ourlet, un revers, un bas fendu, ce qui te fait plaisir. Et on va voir la longueur ensemble. Tu aimes quel type de longueur? Là, ça passe pas. D'accord, ok. Donc là, je le mets juste en place rapidement, mais je vais la faire après. Je vais regarder d'abord le reste. C'est juste pour pas que ça fasse un pâté en bas. Alors, à la ceinture, tu es comment? À la ceinture, je suis bien. Presque lâche. Presque lâche. Mais bon, c'est vrai que tu as toujours le différentiel taille fine et après le bas plus développé. Est-ce que tu as besoin que je serre ou est-ce que c'est pas utile? En fait, là, je pense qu'il va tenir parce qu'en fait, il est au-dessus de tes hanches. Ouais, c'est ça. Si je serre un petit peu ici. Oui, tu peux serrer un peu avec les ajusteurs. Je pense qu'il faudrait qu'il soit serré un peu. Quand même. Ouais, je pense aussi. Tu peux serrer un petit peu. T'as pas bougé de poids ou quoi que ce soit entre... Je sais pas. Un peu de poids, mais j'en pourrais pas beaucoup là, je pense. Ok. Là, je vais retirer un petit peu ici. Moi, je préfère le serrer un petit peu parce que pour le serrer un tout petit peu en haut de fessier. Ouais. Donc, là, en sensation, est-ce que c'est mieux? C'est suffisant. Bah, moi, je t'enlèverai 1 cm de chaque côté, ça fait un moins 2 total. Okay. Ça devrait suffire. L'avantage, c'est qu'en faisant 1 cm, je peux le faire descendre un tout petit peu dans le creux ici. Je vais mettre une épingle, tu verras. Bah, je peux faire plus, mais tu vas te sentir très, très vite, très serré en position assise. Ouais. Comme il monte très haut, de toute façon, il ne va pas retomber là en fait. Hein. Donc, je te sers les ajusteurs là pour qu'ils restent en place là où on veut qu'ils soient. Au moins pour l'essayage, après évidemment, comme ça je peux faire la longueur correctement. Donc, tu veux plutôt non cassé avec un ourlet ou un revers extérieur? Alors moi, plutôt un revers extérieur. Ok. Quelle largeur de revers tu veux? Alors, en 4 mm. Ok. Ce que je fais, c'est qu'une fois que je place les épingles, donc on peut les modifier, et moi après je l'enverrai à mon retoucheur, en lui mettant un petit coup de craie là où il faut faire. Ouais, bien. Comme ça il sait. Là, qu'est-ce que tu en penses? Cette longueur. Je pense que c'est bien. Ouais. Après, ça va dépendre aussi avec quel soulier tu vas porter ça, évidemment. Ouais, ça te va? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Écoute, c'est moi qui te l'ai fait comme ça, donc j'estime que c'est pas mal. Après, pour moi, c'est bien parce que ça reste assez classique au sens où ça vient quand même venir effleurer la chaussure. On n'est pas sur quelque chose de court comme ça. Ouais. Et en même temps, on n'a pas de la cassure comme ce que tu avais envie, donc c'est très actuel. Hein. Okay. Avec un revers de 4,5 cm. T'es à l'aise dedans, volume cuisse, c'est bien? Ouais, franchement, je suis bien. Comme toi, tu avais les jambes développées. Un petit peu de marge et je pense que non, c'est très bien. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un peu d'aisance, donc les pinces tombent bien. Mmh. Parce que quand le pantalon est trop fité, bah, les pinces, elles ouvrent tout de suite, ce qui n'a aucun intérêt. Donc, bon, bah, super. Alors, je te laisse juste mettre les manches normales sur ta chemise, les redescendre. Pour un croisé, on avait dit un 602, un 601, qu'est-ce qu'on s'était dit là-dessus? On avait dit un 602. Ouais, classique, okay. Ok. Alors je t'en prie, plonge les bras dedans. Voilà, je te laisse mettre face au miroir. Je vais poser un bouton principal, le reste est un tout petit peu à l'œil. Et le but c'est d'avoir un bouton très précis. Et après je calcule le reste, c'est-à-dire la largeur et la hauteur en fonction d'eux. Et là, on voit que ça te va bien, c'est joli. La veste assez cintrée. Donc là, pour toi... Alors, le bouton principal sur un croisé, il a pour but d'aller à peu près souligner la taille, en fait, ici. Mm-hmm.
Toi, c'est bien, t'es bien servi, t'es avec deux personnes. Donc, après on peut en discuter. Moi, je mettrais bien ton boutonnage actif ici. Ça, je pense que ça va être pas mal. C'est un 602 ? Ouais. Bah, et là, on est pas mal. Hein. Comme ça, tu vois, l'autre bouton, il va être plutôt par là. Ouais. Et tes autres boutons, ils vont être plutôt par là. On va te les placer. À peu près, ouais. Là, en l'occurrence, il va être un tout petit peu plus bas, parce que sinon, ouais. Ça, il faudra le remonter. Ouais, c'est vrai. Moi, j'aime bien faire des croisés 602, mais légèrement bas. Ouais. Je trouve que ça met bien en valeur le revers. Cambrure, c'est presque pas mal. Bah, ouais, c'est pas mal. Le dos est beau, la carrure est propre. Ouais, il y a un peu de carrure. C'est bien. Il y a un peu de quelque chose à faire là. Longueur de manche est presque pas mal, hein, je trouve. Mm-hmm. Sur la manche droite, vous voulez dire ? Ouais, sur les ouais. Deux manches. Non, pas une dessus. Peut-être parce que c'est parce que j'ai peut-être une épaule un peu plus. Non, pas le montage, c'est les fabrications. Ouais. D'accord. Bon, on avait choisi un tissu qui n'était pas non plus très 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 lourd. Hein, donc, et la ceinture, tu reprenais beaucoup à la demi-ceinture ? J'ai repris un TP-2. Ouais, c'est ça. TP total ? Total moins 2 ? Oui, parce que là, les brides sont attachées. Hein, les brides sont oui, serrées, justement, hein. pour pas qu'il tombe là lors de l'essai. Ah, d'accord, okay. Mais en fait, on prend un peu moins et ça suit un peu sur la fin de début de fessier. Oui, d'accord. Okay. Voilà. Donc ça, donc le bouton là, je te les pose un peu à l'œil, hein, c'est pas à mesurer au millimètre évidemment, oui, mais c'est pour donner une idée du boutonnage. Et donc, grosso modo, hop, c'est bien, il est beau ce revers là, ouais, ça développe. Je voulais un truc un peu power suite du croisé. Ah bah là, t'y es. Hein. Ouais, je veux de l'épaule et de la poitrine. Tac. En fait, c'est vrai que normalement, le bouton, enfin normalement, il n'y a pas de normalité exactement, mais ce bouton là, il a un chouïa plus haut. Mais toi, tu préfères quand c'est un poil plus bas ? Voilà, alors fais voir, maintenant que je reprends un peu de recul. Alors, ouais, c'est bien. C'est bien. Alors, il ne faut pas faire ça sur un croisé. Ça, ouais. En fait, quand tu pinces trop les silhouettes, ça devient ridicule. Ouais. Ça vient ressortir les épaules. Et après, ça fait le bassin aussi. Ouais, donc, sur un croisé, il faut que ça soit ajusté, mais pas. Ça serait bizarre. Il y a beaucoup d'épaules mais en haut, voilà. Donc ça compense. Mais oui. Mais nous, à la coupe, on ne peut pas faire non plus un delta énorme entre les épaules et la taille sans créer des petits sujets de complications. Alors, vaut mieux que nous, on fasse le maximum qu'on peut, quasiment. Et après, on vient retoucher, nous, à la main. Ouais. C'est beaucoup plus fin. On va pouvoir modifier que quelques centimètres. Bien sûr. Juste à l'endroit qui nous arrange, tu vois, pour te cintrer un tout petit peu cette veste en gardant le maximum de carrure dans le dos. Parce que bah, pour le confort, c'est quand même important. Voilà, dès que tu fais du mouvement. Et puis voilà, en plus, toi, t'es amené peut-être à encore grossir un peu, c'est possible, avec ce que tu fais. Ça dépend si tu manges bien. Du coup, ça tombe bien. Alors, longueur des manches. Alors, je pense qu'elles sont bien. Ouais, en ça fait, bien. La chemise est un peu longue. Ok. C'est pour ça, je pense que c'est un peu pressé. Mais ça me paraît pas mal. Bah, dans l'hypothèse où t'as une chemise un peu plus courte, admettons, comme ceci. C'est limite, mm-hmm. Après, ça dépend. Je sais pas où. Là, moi, ta chemise, je la trouve pas si mal en vrai, hein, en termes de longueur. Après, si tu me dis que tu vas avoir des chemises plus courtes. Non, c'est bon, je pense que c'est bien. C'est bon ouais. En tout cas, la symétrie est là, donc au moins, ouais. Ça, on n'a pas de sujet. Au pire, on fera 5 mm en moins. Tu veux combien de boutons au niveau des manches ? J'en voudrais 4. 4 boutons. Ok, donc sur le classique. Donc tu auras 6 boutons plus 1 à l'intérieur, ouais. Tu sais, pour accrocher le pan intérieur. Mmh. Ici, on te fera donc la petite milanaise. Voilà, je te place la petite épingle pour la milanaise. D'ailleurs, sujet, tu en veux une ou deux ? Je pense que je vais en mettre qu'une. Mais c'est comme tu veux. Pour briser la symétrie. Comme c'est Julien qui l'a fait, je te remercierai. L'épaule, ça me paraît plutôt bien. Ah ouais, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Fais voir. Oui, oui. Alors en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il y a beaucoup de messieurs qui portent des costumes un peu petits, hein, on va pas se mentir, depuis ouais. Des années. Du coup, ils ont une sensation d'être tenus dans le vêtement, mais en fait, c'est un peu trop serré pour être très honnête. Ouais. Et du coup, c'est en fait la sensation que leur cerveau a enregistrée. Donc ils me disent, mais moi, je veux me sentir tenu. Et en fait, ils se sentent plus confortables psychologiquement dans quelque chose d'un peu petit oui, que d'un peu grand. Mm-hmm. Bon, après, nous, on n'est pas dans la tête du client, on ne peut pas savoir. Mais c'est normalement, un costume, tu peux bouger dedans ouais, sans que ça t'entrave le mouvement. C'est bon, pas censé t'empêcher de lever les bras sous prétexte d'être un peu élégant. Tu vois ouais.
Donc bah voilà, pour moi c'est très bien. Il me reste une dernière petite chose à faire. Donc là, moi en fait, ce que je fais, c'est que je te mets une petite épingle ici sur le côté. Bon, ça c'est pour moi. Hein. Pour savoir que quand je remettrai le costume à plat sur la table de coupe, en fait, que ce pan-là il doit venir à cette épingle pour chevaucher. Ok. D'accord. Comme ça, ça me détermine où est-ce que elle doit arriver, comme ceci. D'accord. Et comme ça, là après, je sais que mon bouton ici, il est là. Et je sais qu'il faut, en fonction des styles et en fonction évidemment des gabarits, des messieurs qui sont grands, petits, etc., ou minces ou plus volumineux, bah, j'ai un écartement à peu près ici. Ici, c'est forcément c'est déterminé par l'emplacement qui est là. Ouais. Moi, j'aime bien que les croisées soient assez larges devant pour qu'ils se croisent beaucoup, pour avoir des boutons qui sont assez espacés. D'accord. Dans le prêt-à-porter, malheureusement, pas tous hein, évidemment, mais souvent, tu as des boutons qui sont très proches ici, ouais, qui sont assez petits. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de tissu. Ouais. Donc ce pan-là, en fait, la découpe, au lieu qu'elle fasse ça, en fait, elle arrive ici. Ouais. Donc en fait, tu as des boutons autour et qui t'ont approché et ça fait un peu. Enfin, ouais, c'est voilà, c'est chiche quoi. Ouais. En mesure, chez le tailleur, on a besoin d'un petit peu d'expression. Ouais. Et puis si ton carré, après, c'est aussi une question d'harmonie, tu peux pas avoir un. Tu peux pas faire un rectangle comme ça. Oui. S'il y a un rectangle à faire, ce serait plutôt comme ça non, ouais, c'est que comme ouais, ça. Tu vas pas faire 13 cm là et 10 ici. Tu ouais, vois. Donc il faut trouver le juste milieu. Et d'ailleurs, ça, voilà. Est-ce que du coup, ça dépend des conseillers comme toi qui mettent un peu leur main à la pâte pour ce genre de détails ? Bah ou, forcément. C'est genre Julien qui. Bah après, forcément, on a tous nos petites préférences. Moi, après, j'en discute avec le client pour être sûr de si ce que je lui fais là, ça lui convient. S'il me dit, bah non, moi je voulais un peu plus haut ou plus bas, je dis, ok, j'adapte. D'accord. Mais forcément, il y a une petite déformation objective, hein, enfin subjective, pardon, ouais, de me dire que bah, moi, je... Mais après, là, tu me dis, hein. Ouais, tant que t'en parles. Mais moi, là, je trouve très bien là-dedans. Ouais, c'est marrant, c'est la première fois que je mets un complètement entoilé. Bah, c'est très fin, en fait. Je m'attendais peut-être à sentir un truc en bas, et en fait, non. Ah non, non, c'est en fait, l'entoilage, ça amène beaucoup de fluidité. Ouais, c'est ça. On sent léger, donc ça amène du confort, en fait. Ouais, c'est ça. Plus voilà. La coupe qui fait que non, je suis voilà. À l'aise. Donc voilà, t'as aussi la légèreté du tissu qui va jouer. Ouais, c'est ça. Mais même, tu auras un tissu de 300 grammes, tu auras une sensation de légèreté qui fait qu'on n'a pas l'impression d'avoir un poids sur les épaules toute la journée. Ouais, carrément. Ok, bah. Et bah voilà, tu en es content ? Ouais, carrément, j'ai hâte de voir ce que ça donne au final et franchement, ouais. Oui, c'était bien finalement, ça va ? Ah bah finalement, c'est très bien. Moi, je le cintrais un petit peu. Oui, oui. Voilà. Oui, oui, on cintre un petit peu. Le boutonnage, c'est bon. Les longueurs de manche, c'est bon. C'était du challenge, hein, de réussir. Vous en êtes bien sorti. Alors, tu as le physique de Ralph Lauren, de monsieur Ralph Lauren, parce que les épaules bien comme ça. C'est là, vrai que c'était un peu ce que je recherchais. Et la taille bien serrée. Mais ça va. Et une croisure bien large. Bien joué. Tu peux le refermer, ça te dérange pas, Quentin ? Ouais. C'est pas, ça va, c'est pas trop caricatural non plus. J'avais un petit peu peur. Oh aussi, non. Bah. Après, c'est ton physique, c'est ton physique. Oui, hein, oui. On va pas faire après, quelque chose de différent. Si tu fonds, si tu décides d'arrêter la muscu, tu vas rentrer dans un fit plus normal, entre guillemets. Mais je suis content, c'est beaucoup d'aisance au niveau des jambes, des cuisses, du fessier, ce que je recherchais. Même au niveau bah, de l'épaule. Oui, voilà, la poitrine, même, la cage thoracique. Oui. Exactement, et même avec le moutage que je voulais, finalement, je me sens très à l'aise. Et c'est très ça difficile rend super pour, bien. Pour nous, parce qu'à faire comprendre ça, parce qu'il y a des gens, ils veulent. La plupart des gens ne comprennent rien au costume, ils veulent juste une combinaison de plongée. Ouais. Ils arrivent là, ils croient que c'est du néoprène, ils font ça. Il croit que ça doit être comme ça un costume. Mmh. C'est pas facile à faire comprendre que ça doit être confortable un costume. Ouais. Oui, carrément, non, ça l'est. Du coup, c'est assez bizarre parce que c'est à la fois toute la silhouette que je voulais oui, et oui. À la fois super confortable. Et donc, entre nous, un costume chiche qui est près du corps, ça fait juste un costume dégueu, pas cher. Hein. Mmh. Un beau costume un peu ample. Il y a peut-être un peu trop de cuisses en fait, non ? Ah, quoi que. La cuisse est forte. En fait, j'anticipe aussi que je prendrai un petit peu de cuisse. Ouais, bah oui, j'allais dire, on va retirer un peu de cuisse, mais en fait, il n'y a pas beaucoup d'aisance. Là, en fait. La veste a une longueur généreuse aussi qui nous permet de faire une jolie croisure comme a fait Quentin. Non, franchement. Si on faisait une veste de tweed, on pourrait évidemment la faire un peu plus courte. Hein. Une veste droite, par exemple, une veste de week-end, ouais, à porter avec un jean, on la ferait plus courte. On pareil, un peu plus court. Oui, oui, évidemment. Non, c'est vraiment génial comme ça. Je trouve ça. Merci. Impeccable. Ça n'était pas. Ça n'était pas gagné d'avance. Hein. Mais vous avez bien sorti en tout cas, c'est génial. Super. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu t'es fait à l'œil ? J'ai soulevé une barre hier. Ah merde, j'ai beaucoup forcé et du coup mes vaisseaux sanguins ont explosé. Oh merde. Bon, ça va se remettre. Tu vas montrer à Quentin comment on devient cinéastoc parce que maintenant Quentin il a des velléités. Ah ouais, non, très bien comme ça. Bon, bah, la semaine prochaine. Dans deux semaines, je pense. Deux semaines oui. Très bien.
très bien. Merci pour tout en tout cas. Bonne soirée. Passez une bonne soirée, messieurs. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Bah voilà, c'est dans deux semaines.